Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Un très bon arrêt, très tôt dans le match. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est parti très fort. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Herbe. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Allez, le ballon est dégagé, ça va en corner. Vers le point de pénalty. Ballon bien renvoyé. Oui, bien défendu. Ailleurs, jeu, c'est évident. Et l'arbitre lève son drapeau, hors jeu. Avec interception, et le ballon est récupéré. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Pas amener un peu de danger là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Herbe. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Et les voilà en possession du ballon. Ouais, c'est propre, sans faute. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Il y a du monde au second poteau. Et au final, aucun danger pour la défense. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Et le dribble ne passe pas. Le ballon sort. Eh oui, c'est bien vu ça. Attention à la frappe. Eh, bon arrêt du gardien. Ballon vers la surface. Et cette tête ne trouve pas le cadre. Herbe. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Et la frappe, la belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Herbe. Mais la grosse intervention là. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Le ballon bien travaillé sur ce centre. Le ballon est écarté. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Elle la passe en profondeur, attention.
Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Oh oui, la frappe, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et finalement, pas de danger. À la transversale, le bon renversement. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ouais, le pressing est efficace là. Au but. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Herbe. Voilà, ça c'est un bon centre. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Et on passe par le côté. Ouais, facile, ça passe. Et le bon coup d'œil sur ce ballon bien placé, dommage. Herbe. Puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité. Eh oui, duel remporté. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Et le bon centre en retrait. Le poteau, la balle revient en jeu. Le corps en opposition, c'est pas fini. C'était l'occasion de prendre l'avantage. Mais les mystères de la nature, la cage se rétrécit. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Herbe. La frappe, ça part bien. Frappe surpuissante. Et vu la distance, il fallait oser. Le but te manquait pour pas grand-chose. Hein, et c'est tout à son honneur. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Le tir. C'est une tentative lointaine. Mais la frappe reste dangereuse. Une frappe puissante qui ne vient pas se jouer si loin que ça de la cage. Ouais, c'est bien joué dans la profondeur. Le drapeau se lève, c'est un hors-jeu. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer.
avec un peu d'espace maintenant. Ah, c'est le moment de prendre l'avantage. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Oh, la frappe, c'est contré. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Eh, bien donné ce ballon. La frappe, attention. Oh, la bonne parade. Le hors-jeu signalé là, dommage. Il faut être patient sur ce genre de passe. Il faut prendre le temps de bien la mâcher. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Là, il y a une position de hors-jeu signalée, c'est sifflé par l'arbitre. Oh, il s'est bien servi. Mais quelle occasion face au but en plus. En tout cas, pour l'ouverture des scores, on repassera. Là, une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Oui, il y a la place pour un bon centre. Attention à cette occasion. Et le gardien renvoie, mais c'est pas terminé. Oh oui, c'est au fond, bien suivi. Le ballon était mal repoussé face à un tel réalisme. Évidemment, ça fait but. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. La passe en profondeur. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. On approche du coup de sifflet final. Et pour l'équipe visiteuse, la pression augmente. Leur prestation autorise à être optimiste. S'il reste encore un peu de temps, il reste encore beaucoup d'espoir. L'égalisation, c'est possible. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Ah, la perte de balle. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Le ballon est récupéré. Et c'est bien donné dans la profondeur. Ah, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Ah non, position de hors-jeu sifflé. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. Et dans cette fin de match, c'est l'occasion de creuser un peu plus l'écart et de mettre un terme au suspense. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Voilà une bonne défense. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Une possibilité là pour centrer. Oh, c'est bien défendu. Le coup de sifflet final, donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup de choses sur la... Nice and glowing in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you.
told you I came first, but you're ahead, ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Then pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Arriver à jouer un match comme celui-là, c'est la récompense d'un parcours exceptionnel. C'est l'opportunité peut-être de jouer contre les plus grandes équipes. La porte pour la division élite est devant eux. Une victoire en France. On est impatient de savoir qui va l'emporter et on va voir ça tout de suite. Salut à toutes et à tous, la belle et grande machine du foot ne s'arrête pas. Encore une nouvelle raison de s'émerveiller. Dans la cabine de commentateur, Benjamin Da Silva, El Petiso et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Pulguita. C'est le mode club et une victoire, un peu de chance pour tenter une frappe. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Et ouais, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. Attention, c'est pas fini, le poteau renvoie le ballon. Ouh là, le hors-jeu dans la surface, oui, il faut être attentif. Et oui, c'est un problème de connexion avec ses partenaires là. Ah, la perte de balle. La bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. À l'occasion de faire parler sa frappe. Eh, bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Ouais, nouvelle intervention, le ballon est bien capté. Pressing haut sur le terrain. Ouais, c'est une transmission interceptée. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Et depuis sa dernière sortie, c'est donc officiellement le nouveau meilleur buteur de l'histoire de son club. Et c'est pas qu'un. Un colosse, un géant, un titan. Voilà maintenant ce qu'il est dans l'histoire de son club. Avec un peu d'espace sur son aile. Quel jaillissement pour empêcher le tir! Le ballon change de camp. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Et le tir. Et c'est au fond, le premier but de la rencontre, largement mérité, après une nette domination. Voilà le match qui reprend, après donc le premier but de cette rencontre. Et un ballon renvoyé par la défense. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. Vers le point de pénalty.
Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. Ouais, c'est bien fait, la bonne progression. C'est bien fait, le centre en retrait, excellente intervention. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Il y a danger, parce que là il y a un centre. Bonne intervention de la défense, mais il y a toujours une grosse pression de l'adversaire. Une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et ballon récupéré sur cette action. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Et c'est finalement dégagé. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Allez, là, il peut frapper. Et non, c'est le montant qui va détourner ce ballon. Dans la cage, il y a des poteaux. Oui, il y a un peu de champ là sur le côté. Ah non, finalement le ballon est perdu. Oui, le bon geste défensif. Le porteur de ballon a besoin de solutions. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la minute. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Et ça a l'air bien dosé, ça. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Le ballon dans la profondeur. Ah, il s'est sifflé hors jeu. Bon appel, mais la passe s'est faite un petit peu battante. Et oui, l'art de l'ouverture, c'est de l'horlogerie. Il faut être pile à l'heure. Il peut tenter sa chance. Ah, elle est contrée cette frappe. Corner, c'est donc une occasion de s'offrir une avance confortable. Un corner qui est bien ajusté. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah, ça part très bien. Oui, joli réflexe.
Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Ce corner, c'est même peut-être l'occasion d'égaliser. Attention, grosse occasion. Ouais, la parade. Attention, méfiance avec ce centre. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. Bien anticipé, le ballon est intercepté. La bonne percée, il faut aller provoquer. Oh, la tentative lointaine. L'occasion de recoller au score sur ce corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Ah, c'est bien parti. Oh, attention. Et ça rentre. L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait deux longueurs d'avance. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Excellente inspiration avec ce ballon. Le hors-jeu est signalé. Et ce ballon qui est perdu. Attention à cette passe. Mais non, elle n'arrivera pas. L'attaque se poursuit, balle au pied. Il prend sa chance. Oh, c'est contré. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Attention à cette frappe. Et non, sans danger finalement. Nice and glowing in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead, ahead beyond your years. People try, try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. And play your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you.